CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, et qui vous propose un QSY sur le 27-585. Le 27-585, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Mérignac. Ah oui, 100% QSL, les modes sont 13-51 de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33 actuellement en mobile sur Mérignac, le département de la Gironde. Ok Robert, les 73, les deux autres stations qui se sont signalées en même temps là sur la fréquence. Ok, mais pour ma part là je sors du Bro avec un soleil, mais un soleil de plomb digne d'un mois d'août ou mois de juillet comme tu veux, celui-là tu préfères. Voilà, et puis bon là je viens juste là d'allumer le poste avec une excellente propague. Oui, en avant les stations qui se sont annoncées. Ok, département 39, département 95, les 913-51 à vous de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dundee 33 à mobile, actuellement sur le département de la Gironde, sortant du Pro à Chitroicou, là sur Mérignac. Ce cacophonie, oh là là, je dis caca, mais c'est plutôt cacophonie, enfin bon, peu importe, Hachi trois coups, c'est arrivé de tous les côtés et même de l'Italie.
Alors là, pour le coup, je ne sais même plus à qui repasser le micro. La première personne qui m'a répondu, retour des micros. Voilà, là aussi, il y a eu plusieurs stations qui se sont signalées en fréquence. La toute première personne qui m'a répondu là en arrivant en avant. Ok, Rémi, bah, écoute, c'est Robert. Hein. 14, Robert. Charlie Bravo, 789. Bah, écoute, je vais te souhaiter les bons DX et puis je vais aller faire un petit tour ailleurs. Salut Rémi, à plus. Ok, bah, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire une petite vidéo, donc tu pourras écouter ça. Pas en rentrant, je suis pas sûr d'avoir le temps de m'occuper de ça ce soir. Demain je suis à nouveau en journée mais ailleurs. Bon, je fais au plus vite. De toute façon, tu le verras dès que ça sera mis en ligne, il n'y a pas de problème. Et ça passe bien de mon côté là dans le mobile. Hein. Oui, j'ai enregistré la station derrière. Oui, ben, j'ai le même report à te faire, tu vois, là. C'est vraiment à l'identique, c'est exactement le même report. Donc, c'est bon. Il y a une autre station, là, qui s'est signalée derrière. Oui, avec les bandes 73 en avant. Voilà, secure dans la langue d'Italie. Voilà, la langue d'Italie, là, on est à 1, on est à 1. Romeo Charlie, 142, from North Italy, Genoa, chiama, avanti. I am sorry, Italy. I no speak Italia, I speak French. Sorry. Hola, mon ami de France, écoute, Maurice, dans le nord d'Italie, qui t'écoute très bien. Hola, attention, mon ami de France, écoute. Ok, bien reçu. Pour moi, mon nom est Rémi Romeo Echo Mike Yankee. Et là, je suis en voiture, en push, en mobile, sur le département de la Gironde, à côté de Bordeaux. Ok, QSL, moi, indicatif, QRZ, 14, 1, 4, Kilo, Mike, 3 de troisième, 3 de troisième, 0 de négatif, 1 de unité, voilà, 14, Kilo, Mike, 33, 0, 1, voilà pour mon indicatif. Et là, actuellement, je suis en mobile sur le département de la Gironde, sur Bordeaux. Voilà, sur la route, sur Bordeaux. Enregistrez le break. Santiago,
Oui, QSL. Radio 5 aussi. Radio 5, Santiago 7 de mon côté. Voilà, Radio 5, Santiago 7. Enregistrez le break. Pour toi et pour le PDA des familles, salut et congratulations, ok, pour tout le monde en Italie, ok. Ciao, ciao, amigo de mi, pour le Gilong, ici, Unità, Juan, Unità 1, Romeo Charlie, Juan, Carte, tu, from Genova, Nord d'Italie. Ok, merci, j'ai pas tout compris. Merci quand même et bonne 73 à vous. Merci, ciao ciao. Oui, la station là qui m'a appelé, je sais plus, département 59, je sais plus. La station francophone, oui, en avant. Ok, bon, j'en étais pas loin, je crois que j'ai dit, ouais, ok, merci. Ouais, en avant la station, avec la boîte 73 de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile actuellement sur la rocade de Bordeaux. Ok, Philippe, rebond 73-51 à vous. Donc là, de mon côté, là, pour les conditions de trafic, eh ben, c'est le CRT 7009. Là, actuellement, là, en mobile, avec comme antenne, eh ben, la Wilson 5000. Ok, je connais les conditions de trafic, hein, ici, il n'y a pas de problème. Hein. Ici, c'est un IAWT 757 ligne, les micros 878 BM, voilà, à statique, et l'aérien, c'est... Ça fait plaisir de vous entendre, parce que ok, attends, en même temps, je suis en train de faire gaffe à la circulation, parce que là, je suis en train de tomber dans un rétrécissement. D'accord, ok. Ah oui, puis là ça marche bien, hein. Puis le micro est vraiment tip-top. Il a, comment dire, dans la modulation, c'est un micro qui a un peu une modulation cristalline, on va dire. C'est vraiment très, très bon à écouter. Hein. Ah oui, enregistrer le break derrière. Oui, affirmatif. Ah oui. Tiens, c'est comme là, là récemment, là pour le QRA, j'ai récupéré là un micro, un Eurosibi. Je sais plus quoi. Je sais plus le numéro. Enfin bon, bref, il est présenté là sur internet. Et là, je l'ai branché là sur le Yazu là au QRA. Et là, c'est pareil. J'ai fait quelques petits essais là comme ça, là en m'écoutant là sur le web SDR de Bordeaux. Et il a la même modulation, hein, c'est cette modulation cristalline aussi avec. Hein. Par contre, là où ça risque d'être short par la suite, c'est un micro à pile. Et c'est une pile de 6 volts dedans. Alors, pour la petite anecdote, la pile qui est actuellement dedans, là, bon, j'ai regardé comment elle était et tout. Et en fin de compte, c'est une empilation de petites piles plates dans un tube dédié pour. Alors je pense que si je trouve pas de vraies piles 9 volts, je m'orienterai vers cette solution-là. Quoi. Ok, bah ouais, pas un bon choix, parce que là sur celui-là, c'est un ouais, 9 volts ouais, classique, hein, une pile de 6 volts, c'est un peu plus dur à trouver, hein, mais bon, si t'as pas la solution, bah, tu feras la même chose que de marquer fait actuellement. Ouais. Ouais, par exemple, ouais. Il était branché en 6 broches. Je l'ai branché en 4 broches. Et en 4 broches, parce que bon, le Yazu que j'ai, moi, par contre, il est en RJ45. Et comme je me suis fait un adaptateur RJ45 plus 4 broches mâles, donc voilà, la solution la plus simple pour moi, là, dans l'immédiat, ça a été de faire comme ça, quoi. Oui, c'est ça, l'ancienne génération, le FT450 AT. Ok, pour ça, ok, bah ouais, bah moi, il y en a un qui est en réparation, c'est le FT450
50D. Et je vais demander aussi un adaptateur pour pouvoir brancher ce micro dessus. Hein. Voilà, donc c'est un adaptateur RG55 plus 8 broches IS. Ouais, ben voilà, comme le mien, quoi. C'est pareil. Ouais, ben ça va, là. Enfin, en 6 broches, ouais, si, c'est facile à retrouver, hein, de toute façon, là, tout ça. Hein. Si certains font une fixation sur le code couleur, non, pas du tout. Je teste directement, je me fais mon petit croquis moi-même. Et là, c'est ce que j'ai fait, là, pour brancher ce micro. Parce que toi, là, au début, l'OM à qui je l'achète, il voulait recopier le brochage de mon adaptateur que j'avais emmené avec moi. Je lui ai dit, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, d'un câble à l'autre, les couleurs ne sont pas forcément les mêmes. Donc, j'y suis allé comme ça, là, à tester directement. Et puis, c'est vrai que c'est très simple, hein, de toute façon, à trouver un brochage. Hein. La tresse, ben, déjà, on sait que c'est le commun. Le fil qui passe à l'intérieur de la tresse, ben, c'est obligatoirement de toute façon le fil de la pastille de micro. Après, il suffit de trouver la position TX, là, commutée avec avec la tresse, et puis c'est bon. Hein. Le RX suit derrière, et puis bon, s'il y a des positions montées, descentes des fréquences, bon ben voilà, il suffit de s'y retrouver dans les deux autres brochages qui restent. Hein. Enregistrez le break. Oui, enregistrez le break. Ok, les maths 73 à toi. Putain, je me fais assaillir de tous les côtés là ce soir. Et la propague, dès 5h30 ce matin, elle est arrivée, la propague. Hein. Putain, j'ai halluciné. Moi. Ok, les maths 73, merci pour ce QSO. Il y a une station derrière qui arrive comme un boulet de canon. Les maths 73, 51 à toi, la station qui vient d'arriver sur le QSO. Voilà, de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Dundee 33 actuellement en mobile sur la rocade de Bordeaux. Alors là, il y en a eu combien là? Il y a eu, j'ai pas compté le nombre de stations qui arrivent en même temps, mais c'est génial, j'ai mon poste là, qui s'est transformé en stéréophonie. Quoi. Le moderniste arrive aussi de ce côté-là, du côté de la CB, c'est génial. Après, on entend dire que la CB n'évolue pas. Si, si, je confirme, je l'ai eu en stéréo là. Les 73 et les deux stations là, vous avez tenu, vous avez dit avec quasiment la même chose tous les deux en même temps. Du coup, je sais pas à qui retourner le micro. Je lance la pierre au milieu, à celui qui lance le micro au milieu, à celui qui ne rattrape pas le premier. Alors, le Nord-Pas-de-Calais, les Vosges. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est arrivé le plus fort, tu l'as attrapé le premier. Ok, désolé les Vosges. Aussitôt après, je te repasse le micro, ça je finis par bafouiller moi. Le Nord-Pas-de-Calais, les maths 73. Oui! Affirmatif, tu m'étonnes que je me souviens, il n'y a pas de problème. Oui, oui, j'étais passé en moto même. Affirmatif, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de t'entendre. On va faire une petite vidéo. Ok, ben moi c'est pareil, je sais pas quand, je suis en train de gueuler quand même, hein, dans la voiture, je sais pas quand est-ce que je la mettrai, je vais pouvoir la mettre en ligne, parce que j'ai déjà une grosse partie là, de ce matin quand j'ai pris la route, j'étais en QSO avec 14 km 33-06, Daniel, et plus là, ce que je suis en train de faire là, donc là je suis en train d'attaquer une grosse vidéo, il est 17h30, je suis bloqué là sur la rocade de Bordeaux. Faut que je rentre jusqu'au QRA là, du côté de Castillon-la-Bataille, c'est pas gagné. Je sens que là je vais encore bien profiter là, de la propague, d'être en fréquence, c'est bon, c'est génial. Et donc la vidéo, si ça se trouve, je ne pourrais pas la faire avant, avant après-demain. Ou demain soir peut-être, ça va dépendre. Ouais, peut-être plus demain soir, si je me calme au niveau vidéo. Ce qui n'est pas gagné là. Ah, parce que demain c'est pareil, je bosse en journée là, mais sur un autre endroit. Donc, ouais, dis-toi que ça sera plus pour après-demain, comme ça au moins tu ne seras pas déçu. Ouais, ok Rémi, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, moi je suis en mobile, hein. Je ne suis pas en 1000 mètres, je suis en mobile, je suis avec un 7900, la Wilson 5000 et puis Rosséville 2
là-dessus, hein, voilà, voilà. Bah, les mêmes conditions que toi, quasiment, à part le micro. Hein. Ok, ben, le micro, ben, moi c'est le micro d'origine, hein. Voilà tout simplement. Hein. Ben, je suis en, oui, ben, oui, tu l'as compris, je suis aussi en pouche. Il y a une station des Vosges aussi hein, qui est à Bréquet. Alors avec ta permission, je ne vais pas le faire attendre plus longtemps. Retour sur les Vosges, si ça passe toujours de ce côté-là, avec les 2073 de 14 km 33 01. 100% QSL Christophe, Épinal dans les Vosges, il n'y a pas de problème. Et oui, voilà, c'est ça, le prénom c'est Rémi, il n'y a pas de problème. 14 km 3301, opérateur Rémi, ce qui est déjà dit, Hachi, je renote. Et pour le QR, c'est local sur la Gironde, mais c'est voilà, Dandy 33. Voilà, c'est ça, actuellement en mobile sur la rocade de Bordeaux, profitant bien du paysage, car il y a pas mal de bouchons de ce côté-ci. Enregistrez le break derrière. Et de passer le bonjour, donc tout de suite je vais leur tourner le micro, comme ça je pourrais te faire le QSP Rémi. Hein. Donc la station du 33 là qui m'avait entendu là en avant. Eh ben il y a personne. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ben, peut-être que c'était Daniel, hein. Je l'ai copié déjà un peu plus tôt dans l'après-midi là. La propagation était déjà là, on a bien discuté, etc. Et puis voilà, ben, donc là oui, je pense que c'était lui. Ouais, 100% QSL, non, mais je me doutais bien que ça allait faire tilt en disant ça à Chine. Vu mon activité là sur internet, d'ailleurs actuellement là je suis en train de faire une petite vidéo, enfin je dis une petite, mais si ça trouve ça va être une vidéo qui va faire une fois tout monté, peut-être facile 1h30. Alors ça c'est mon gros défaut, je sais pas faire dans le minimaliste. Ouais, parce que moi là déjà ce matin là, quand j'ai pris la route là, j'en ai fait une bonne. C'est toujours là dans le dans la caméra. Et ce que je fais là, ça viendra s'ajouter. Et tu verras que là, ouais, je crois que c'est du 57 là, de mon côté. Enfin, quand je dis 57, c'est quasiment de radio 6 sur 5. Hein. Là, tu m'arrives comme un boulet de canon là ici. Hein. C'est comme si tu n'étais pas loin de moi, que tu étais à côté de moi quasiment. Hein. Tu m'arrives aussi fort. Hein. Sans propagation, on ne fait pas grand chose, malheureusement. Hein. Voilà, donc du local. C'est le principal. Alors, attends, tout à l'heure, tu avais donné tes conditions, je ne sais plus là. C'est une question de 5000, parce que j'ai écouté pas mal de QSO. Alors, je me disais, c'est sans rien quand même. Hein. Ben, il va passer cette antenne là, quand je mets le mobile, enfin, la radio dans le mobile. Là. C'est vrai que c'est une excellente antenne, hein. Pas de problème. Moi, je la mets de temps en temps, hein. Je ne roule pas avec en permanence non plus. Hein. C'est quand je mets sur les. Sur internet, la QSL.
Ouais, ça pour sa QSL. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, mais là, oui, vu comment je suis un petit peu chargé là, au niveau boulot, ouais, ce sera peut-être plus pour après-demain. Hein. C'est parce que là, là, je suis complètement coincé dans les bouchons sur Bordeaux. Donc déjà, le temps d'arriver, plus patin couffin au QRA, ceci, cela. Demain matin, ben, je suis à nouveau demain au pro en journée. Donc là, je pourrais rien emmener avec moi non plus pour le montage, pour faire tout ça. Certainement, je pourrais certainement attaquer ça demain soir. Ah oui, il y a une bonne chance. Et dans le meilleur des cas, ben, peut-être en téléchargement demain soir pour après-demain matin. Car chez moi, la DSL, c'est proche du 56K. Hein. Ah tiens, pour la petite anecdote, avant de repasser le micro sur le Nord-Pas-de-Calais, pour la petite anecdote, c'est hier, j'ai chargé une vidéo. Ça a été tellement long qu'à un moment donné, YouTube m'a foutu un message comme quoi j'étais pas connecté. Ah chi, trois coups. On me l'avait pas faite celle-là. Ah chi. Ok, les bandes se sont très à toi, les Vosges. Et profite bien de la propague. Merci beaucoup pour être rentré dans le QSO. Il y a une autre station qui a aussi breaké derrière, un petit moment. Retour sur les Vosges et puis après je rebasculerai sur le Nord-Pas-de-Calais. Retour à toi les Vosges. Ok, merci pour le retour. À la prochaine. Ok, alors attendez, deux secondes, deux petits. Je relance. Retour de micro sur le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, ok. Ouais, non, non, j'ai préféré t'appeler, enfin te dire le Nord-Pas-de-Calais, parce que là, vous étiez deux Christophe en fréquence. Un Christophe des Vosges, plus toi, Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour éviter la confusion entre vous deux, c'est pour ça que j'ai préféré dire les Vosges, et puis après, toi, Pas-de-Calais. Ok, là, c'est bon. Il y a une autre station qui s'est signalée aussi derrière. Un petit moment. Hachis, retour à toi, Christophe. Ok, si j'ai bien vu, ça doit être le signal du descendre à Santiago 5, peut-être 4 là de mon côté. Hein. Mais la modulation est très bonne hein, et très, très forte aussi. Hein. Ah ben ça baisse. Ah toi, hey, comme quoi la propague fait bien des blagues, il a fallu que que je te dise que tu passais encore très fort pour que d'un seul coup ça ait tombé quoi. Et en même temps, bon, je suis passé sous un pont, mais bon, la propague passe partout. Hein. Et la propague, ouais, a pas mal chuté là de ton côté là. C'est vrai que là pour le coup, là c'est passé à la CQRP, mais bon, dans l'ensemble, j'ai eu Roger. H3 coup B750P. Voilà, BK
mais qui tourne qu'à 50%. Autrement dit, je suis à l'égal des stations fixes. Voilà, je ne veux pas abuser de ça non plus. C'est juste pour être à l'égal des stations fixes, pas plus. Hein. Et toi, il fait une telle chaleur sur la Gironde que là, le poste, lui, il est au minimum. Je dois sortir quoi, peut-être 9-10 watts. Vu la grande gueule que j'ai au micro, hachi, là, il doit bien sortir 10 watts. Mais c'est un vrai, c'est une vraie chaudière. Hein. Je pourrais faire cuire des œufs dessus alors que pourtant il est à l'ombre. C'est pour dire la chaleur là qu'on a ici, là, sur le sud-ouest. Je sais pas, j'ai pas de thermomètre. Si j'ai un thermomètre, ah ben dans le push, le thermomètre, il est à 37-38 le thermomètre là dans le push. Putain la vache, tu m'étonnes que ça boue ici. Ouais. Mike, à son côté, j'ai 31 là en arrière, hein, 31. Enregistrez le break. 31, d'accord, ok, ah oui, c'est quand même pas mal. Surtout que là, t'es pas loin du pôle Nord en plus. Hachi, trois coups. Il y a eu un break, avec ta permission, on va te faire rentrer en espérant que tu l'entendes. En avant le break avec les bats 73 de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Dundee 33 actuellement bloqué sur la rocade de Bordeaux. Charlie Pontoise, ok, c'est toi qui as gardé le micro le plus longtemps. Là, si j'ai bien compté, il y a eu trois stations qui ont pris le micro en même temps. Les bottes 73-51 aux autres stations, là pareil, hein, tout ça retourné de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Dundee 33, là actuellement mobile, là dans les bouchons, c'est la rocade de Libourne. C'est ça qui est pratique quand il y a des bouchons. On peut profiter, là, de faire tranquillement, là, de la radio. Je roule à quoi? Je dois être à 5. Non, on va pas exagérer. À 10 km/h, voilà, je suis à 10 km/h et je risque pas d'accident, rien, je suis tranquille, je suis bien, j'ai les mains sur le volant, c'est génial, et je profite de la radio. Merci les bouchons, au moins je peux profiter de la radio et regarder le paysage. Bon, j'ai assez raconté de conneries, à toi à la station de Charlie Pontoise. Tu m'étonnes que ça passe très bien, c'est génial. Et dire que là récemment, là sur internet, là j'ai vu une station là qui disait que qu'en ce moment la propax c'était pas top, il y avait rien, ceci, cela. Je parle pas d'une station de la Bretagne, non, loin de là, mais d'une autre station. Enfin bon, bref, passons. Aussi que la propagella. Oh que si que la propagella. Mais bon, peut-être qu'elle n'est pas là pour tout le monde, je sais pas. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre dire qu'il n'y a rien, alors que pendant ce temps-là, nous, on est complètement assaillis par la propague. Tout à l'heure, pareil, j'ai l'Italie là, qui m'est arrivée comme un boulet de canon. C'est vrai, on a du mal à imaginer qu'ailleurs, il puisse pas y avoir de propague, qu'il y a des endroits qui ne puissent pas y avoir de propague. Et pourtant, bon, il n'y a pas de problème, hein, je les prends à les stations. Seulement on a la chance avec nous, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Salut Rémi. Waouh, là il y a quelqu'un qui m'est arrivé très fort. C'est pas possible qu'il soit très loin. La 73, la station. Oui, salut Rémi, 14 qui est à 33, Yannick. Oh ben tu m'étonnes Yannick. Je suis à la hauteur de la clinique Jean Villard. Ah bah oui, tu es à 1 km ou 2 de chez moi, donc tu passes à 9+40. Oui, ben je peux te retourner le compliment, hein, parce que si j'ai bien vu, 9+30. Ouais, +30, +40, je sais pas. Il faudrait que je photographie. J'ai pas mes lunettes là sur les yeux là pour voir de près, hachi. Donc je donne une évaluation un peu comme ça. Mais il faudra que je prenne une photo là du Hersmet, là, que je vois un petit peu, que je puisse. De toute façon, bref, assez de blabla, hachi trois coups. Je suis actuellement en train de faire là une petite vidéo, donc faut que j'arrête de dire petite parce qu'à chaque fois j'en fais 10 km. Et de toute façon, ça sera dessus. Hein. Oui, je suis ça de près, hein, toujours, je regarde. Hein. Ok, mais écoute.
je veux pas te perturber, t'étais en QSO avec une station, je sais pas si c'était en local ou en DX, j'ai tourné la molette et je suis tombé sur toi, j'ai reconnu ta voix, juste un petit peu légèrement décalé, mais je me suis calé sur toi, il n'y a aucun souci, tu passes très très fort. Donc oui, la clinique, là, t'es vraiment pas très loin, hein. Tu es à vol d'oiseau, 1,5 km, 2 km. Voilà, je t'adresse mes 73, je vais faire un tour des galettes, voir si je peux faire quelques pays d'Europe, hein. Et puis je te laisse poursuivre avec l'OM qui était avec toi et que je salue également. Ok, alors y a le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu les Vosges qui est passé à tout à l'heure, qui est passé en QRT parce que c'est vrai que là sur le QSO ça arrive de tous les côtés. Il y a la région parisienne, plus deux autres stations là qui ont breaké aussi. Il y a eu aussi l'Italie là tout à l'heure. Et d'autres stations que j'ai entendues là derrière aussi là par bride à par moment là qui ont aussi breaké de d'autres régions. C'est oui, quand la propague est là, c'est sûr que là on sait plus où donner de la tête. On n'est plus habitué, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. On n'est plus habitué. Et ça me rappelle justement une station là du Québec 14 Delta zut. Pas 14, 9, bravo Charlie 555 Gilles. Voilà, à chaque fois là qu'ils se mettaient en fréquence, c'était pareil. Hein. Depuis Gatineau, il se faisait assaillir de tous les côtés. Hein. Alors par contre, lui, putain, il n'a pas de mémoire de poisson rouge, loin de là. Hein. Il te jonglait d'une station à une autre et ainsi de suite, d'un pays à l'autre. Et il se rappelle de tout le monde et ainsi de suite. Je sais pas comment il fait. Quoi. C'est putain, je l'ai envie de ce côté-là. Quoi. Retour à toi. J'ai un break enregistré. Oh bah écoute, il y a peut-être un petit carnet de trafic. Ah si. Ok, mais moi tu vois quand je suis rentré là d'un petit rendez-vous, j'ai allumé, de suite j'ai entendu. Premier appel sur le 555, j'ai lancé un appel en français pour une fois, mais non pas en anglais. Et j'ai eu Rennes, voilà, un OM de Rennes là, qui passait à 59. Voilà, Rennes dans le 35, on a papoté. C'était bien sympathique, donc là je vais continuer mon tour de galette. Hein. Je te laisse poursuivre ta petite vidéo. Je suis devant mon PC là, sur le web SDR de Bordeaux. Effectivement, il y a des trams roses de partout. Ça veut dire que tu as des QSO sur toute la gamme là jusqu'à, allez, on va dire jusqu'à 27 780. Hein. Tout est occupé. Difficile de trouver un canal de libre. Voilà, Rémi, bah, écoute, je te dis à très bientôt. Si c'est pas ici, bah, ça sera ou en DMR ou par écriture hein, sur le PC. Et puis je te laisse poursuivre avec tes stations. Allez, bonne fin de vidéo et à très bientôt. 14 Yankee Delta 33 qui passe en QSY. Oui, 14 Charlie Papa 070. Oui, enregistrer les deux breaks. Ok, je sais plus, fin de matinée, je crois. Je t'ai entendu là sur le DMR. Oui, ça passait. J'étais sur Mérignac et ça passait. J'entendais que toi de toute façon. Ok, il y a eu des stations qui ont breaké. La région parisienne. Il y a le Nord-Pas-de-Calais que j'ai oublié aussi. Non, je crois qu'il est. Je sais plus si c'est la carte. Je sais plus où j'en suis. Bon. Ah si, je me suis perdu. Bon, bref, allez, je lance le micro au milieu. Au premier qui sautera dessus, qui n'importe quoi, aura raison. Ah si, en avant. Département 70 qui t'appelle, le report pour toi est 59 plus 25. 59 plus 25 débile. Voilà, je pense que tu es au cœur là. 14, ah Charlie Papa, 070, département 70, opérateur Cédric, à ton écoute, Trini. J'ai parlé longtemps exprès, comme ça je passe le premier, j'ai trois courriers. Oui, je te reconnais, il n'y a pas de problème. C'est... Oui, il n'y a pas de problème. Enregistrez les autres stations aussi derrière. C'est la cacophonie totale. Hein. C'est hallucinant, ça arrive de tous les côtés. Là. Et là, toi, moi, comme toi, là, je suppose que tu es en train de faire. Je suis en train de faire une vidéo. Et j'arrête de dire une petite vidéo parce que là, je sais que tout à l'heure, je vais prendre une vidéo. Ah, si, parce que là, j'ai commencé ce matin. Bon, là, déjà, j'en ai un bon coup. Là, si je suis en cours, je sens que dans pas longtemps, je vais tomber en panne de batterie sur la vidéo, c'est pas grave, j'ai une recharge là sous la main. Je vais te laisser avoir un car dans le fusil, tu en avant. Retour à toi, c'est déjà. Ok, ben y'a pas de soucis, ouais, ben très très content de t'écouter, hein, tu cartonnes, hein, je pense que t'es au cœur, hein, tu me rediras sur toi, c'est un tour. Voilà,
alors je pense que tu dois être à la maison ou peut-être en mobile, hein, ça se trouve. Tu peux les pointer à 25 dB, hein, c'est du constant, 59 plus 25, et puis j'ai trois coups, c'est pour ça que j'ai causé longtemps pour pouvoir passer, je sais pas combien j'arrive chez toi, mais moi tu cartonnes, hein, je suis sur l'horizontale là, c'est du 25, 30 dB là, voilà, mais il fait très très chaud chez nous, hein. Oui, il y a 35 degrés là, hein. 35, même 38 degrés là, hein. Puis il fait très très lourd, alors à mon avis je pense qu'on aura des orages peut-être dans la nuit ou ils en annoncent pour demain soir, mais bon, je pense que mon ami on les aura avant là. Voilà, je te revois le micro avec grand plaisir, je te revois toutes mes meilleures 73 Rémi et je regarde tes vidéos, hein. Je pense que tu dois avoir mes commentaires là, retour Rémi. Ouais, il n'y a pas de problème, hein. 100% QSL. Non, je suis en mobile. Voilà, je suis actuellement là, dans les bouchons là, de la rocade de Bordeaux. Hein. Donc là, avec le 7009, la boîte de mirror qui va bien derrière pour bien astiquer l'antenne, qui est une Wilson 5000, HC 3 coups. Pour la petite anecdote, j'ai eu quelqu'un une fois qui m'a demandé, qui me dit comme ça, j'ai aussi astiqué mon antenne au mirror, mais ça marche pas, ça c'est pas passé plus fort. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Qui ne tente rien n'a rien. Hein, ah si. Pourtant, quand je dis ça, c'est de la blagounette. Mais bon, c'est pas grave. Non, autrement, ouais, sérieusement, là, je suis dans le mobile, coincé là, dans les bouchons de la rocade de Bordeaux. Hein. Tu bien astiqué la boîte de mirror là qui est dans le mobile, là, t'as dû bien astiqué là, parce que là je peux te dire que ça envoie du peps, hein. Moi ça envoie du peps, félicitations pour le mobile là, par les conditions graphiques que je connais très très bien. Via les vidéos YouTube, je connais toutes les conditions de trafic, que ce soit dans le mobile ou au QR1. Je te dis encore félicitations là, pour les conditions dans le mobile là. Là ça envoie le peps, hein. Là ça envoie du peps, hein. Pourtant il y a de la moustache à gauche à droite, mais tu passes largement par dessus, hein. Largement par dessus la moustache, fréquence en dessous, au dessous, là ça moustache est un peu mais ça va, là, pas de problème. Donc je peux te dire que ça, je n'entends que toi, hein, sans aucun problème, hein. Voilà Rémi, ben, je vais monopoliser et transmettre la fréquence. En tous les cas, arrive. Enregistrez tous les breaks. Je te laisse continuer, profite de la propagande. Je peux dire que la propagation d'été là, sur les départements elle est bien installée parce que j'ai fait déjà un paquet de départements là. Je t'envoie toutes les meilleures 73, mon copain Rémi, 202 occurs en famille directe, ta permission, la prudence sur la route, comme d'hab. Tu fais gaffe, c'est ma foi. Merci encore pour le sympathique QSO. Je te renvoie le micro pour le final, Rémi. Ok, enregistrez les 3 tonnes de break là qu'il y a derrière. Ok, pas de problème, tu continues à passer comme un boulet de canon, hein, et je suis qu'avec le micro de rigide. Hein. Alors imagine, j'ai un nouveau micro là, de brancher au QRA. Je sais plus le nom. Bon bref, peu importe, il est pas mal sympa d'ailleurs. Il ressemble à un micro de studio avec la barre centrale verticale noire et les strios sur les côtés. C'est un micro à main en plus, c'est un micro. Il est plus. Salut Rémi, regarde bien, c'est pour toi. Voilà, celui-ci en Euro 6000. Et je l'ai testé, putain, il passe comme un boulet de canon aussi celui-là. Alors imagine si je le branchais là dans le push, j'ose même pas imaginer. Je vais peut-être rester avec le micro d'origine en fin de compte. Merci à toi, les 73 à toi. Merci pour ce QSO. Il y a 3 tonnes de break derrière. Je sais plus où, à qui repasser le micro. Là aussi, tiens, retour à toi Cédric. Et puis bon, s'il y a des stations qui t'entendent derrière, ça va être super. Ok, pas de soucis, il y a le 40 qui a briqué, je sais pas si t'écoutes le 40, hein. Il y a le département 40 qui vient de se signaler là, aussi, je sais pas si c'est toi qui l'a briqué ou si c'est moi, mais je te dis encore félicitations pour la station mobile, c'est royal, hein, Rémi, hein. La station mobile c'est royal, hein, avec la boîte de mirror là sur l'antenne aussi, ça passe, ça cartonne, et tu nous feras une petite vidéo là, avec le nouveau micro là, Rémi, tu nous feras une petite présentation avec le nouveau micro là, le micro qui ressemble au micro studio là que t'as investi là dedans là. Tu nous feras une petite vidéo et puis je te mettrai un petit commentaire là, que ça Rémi.
Ouais, 100% QSL. Les stations qui ont briqué derrière. Alors là, là c'est pareil, hein, je vais refaire là comme tout à l'heure. Parce que là, chez moi, je finis par m'y perdre. Là. Je sais plus à qui retourner les micros. Alors je lance le micro au milieu, un peu plus haut ce coup-ci, vu qu'il y a trois tentes de briques derrière. Je lance le micro en avant, au milieu, en avant les stations. C'est du, j'ai pas, juste, c'est du 55 là de mon côté, si voilà, je me souviens. De toute façon, ça sera dans la vidéo. Donc il n'y a pas de problème, la vidéo ouais, elle sera coupée en deux. Là, je vais être obligé, entre ce matin et là, ce soir, je serai obligé de la couper en deux. Ok, Cédric, merci à toi, les bonnes 113, en avant les stations. Ok, oui, le Nord-Pas-de-Calais, les 73 Bruno, 73 Jean-Pierre aussi, le Nord-Pas-de-Calais, retour à toi Christophe. Ok, ouais, merci la station. Ouais, effectivement, il y a trois temps de break là sur la fréquence. Le Nord-Pas-de-Calais, ok, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est avec plaisir. Alors, les 73-51, les stations en fréquence là, qui sont en train de regarder le direct là sur le groupe Facebook là, du forum La Planète Sibifrancophone. Voilà, depuis le haut du pont d'Aquitaine auquel je suis en train d'arriver actuellement. Voilà, je suis en train d'arriver là au premier portique. Voilà. Là, je suis pile là, au sommet du pont d'Aquitaine. Donc, les modes 73-51 tous, voilà, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33 à mobile au sommet du pont d'Aquitaine. Voilà, au niveau des stations qui sont derrière en écoute, qui sont sur le web SDR, et également sur le direct de Christophe actuellement là sur le groupe Facebook du forum La Planète Sibi Francophone. Et je m'étrangle. Voilà, là c'est pareil, tout le monde a repris le micro en même temps, c'est hallucinant, je m'éclate, c'est génial. Ça j'aime, ça c'est ce qu'on appelle, comme je marque de temps en temps, la magie des ondes. Voilà, c'est ça, c'est un coup il n'y a rien, le coup d'après c'est complètement submergé, là, ça arrive de tous les côtés, c'est tout simplement génial, c'est que du bonheur. Ok Saint-Malo, alors le gros avantage que tu as, c'est que tu as un petit peu décalé en fréquence, ce qui m'a permis de bien te clarifier dessus et du coup d'être vraiment, vraiment ciblé sur toi. Donc là c'est génial à toi, 14 km, j'ai oublié le numéro, 04 je crois, oui c'est ça, 04 à la fin. Putain, Rémi, c'est la première fois que j'arrive à t'avoir en fréquence. Les bons chiffres, mes chauves-mobiles, toujours Hélène Soubidou, et puis avec ma petite patrie auxiliaire, et puis mon chouron. Ok, ouais, c'est encore en train de tourner, je suis actuellement en train de faire une vidéo. Il y a aussi un direct en même temps qui se fait là sur Facebook, sur le groupe du forum de la planète Sibi francophone. Donc là, tu vois, là, c'est ça passe, là, c'est ça passe dans tous les sens, de tous les côtés. Hachi, voilà, que ce soit du côté internet comme du côté des ondes, où là, ça arrive de tout une grosse de partout, de toute la France. Oui, le département, voilà, là, ça a sauté là, directement sur le département 61, les 73-51, la station de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33, actuellement là, en mobile, sur la rocade de Bordeaux, avec de gros bouchons. Oui, la station qui a répondu derrière, je ne sais plus à qui répondre. Oui, d'accord, allez, Rémi, il y a tellement de monde, tout le monde est content de t'avoir, mon ami, tout le monde.
bon chiffre de la ville de Saint-Malo à tout le monde et puis le bon cul sur la touche. Ok, eh bien tu vois, ouais, très content de t'avoir aussi en fréquence, hein, bien entendu, ainsi que toutes les autres stations, tu vois. Hein. Oui, j'ai dit, tu vois, parce que tu vois, là, putain, je bafouille. J'ai les papas 22 là qui viennent de passer à côté de moi, là, en moto. Voilà. Voilà, tout va très bien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. J'ai la chance avec moi là aujourd'hui, j'ai la chance avec moi du côté Propag, du côté QSO, parce que alors là c'est en voiture, on voit là l'appel, c'est la bousculade derrière. Ah, je suis content de la prendre sur le panneau, la routier, il y a marqué bouchon quoi. Ah si. Et plus eux là qui m'ont vu avec le micro dans les mains, bon, pas de problème, ils ont vu que c'était un micro, pas un téléphone, c'est nickel. Ouais, et tu vois que c'est quand même nettement mieux que ces applications là par internet qui en fin de compte n'ont absolument rien de magique. C'est la magie des ondes, c'est sur la vraie radio, hein. y a pas à chier. Hein. C'est voilà, c'est ça quoi, c'est que du bonheur. Hein. Ok pour les Bordelais, voilà, j'ai réussi à me. Là c'est pareil, il y a eu pas mal de personnes là, qui ont répondu. J'ai clarifié, je me suis isolé là, vraiment sur toi là au niveau du clarifiage, donc c'est bon. Ok, les BAT 73 à toi, voilà, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi. Voilà, en mobile actuellement là sur la rocade de Bordeaux. Ouah! Ah! Oh, mais attends, ça me parle. On ne s'est pas déjà attrapé en QSO quand j'étais une année, là, un été, un septembre, je sais plus, quand je suis allé de ton côté? C'est ça, Rémi. Ok, oui, ça y est, ça me revient, oui, il n'y a pas de problème. Ouais, putain, mais c'était génial. Et après, alors toi, ce qui me surprend, c'est que plusieurs fois, je vois des messages dire qu'il n'y a plus personne sur la Bretagne. Excuse-moi, c'est peut-être pas la pile, la Bretagne où tu es, mais juste à côté, quoi. Et pourtant, s'il y a du monde de ce côté-là, peut-être que les stations restent uniquement en BLU et on laissait tomber les 40 canaux, ce qui serait vraiment dommage. Enregistré le département 59 derrière. Et 59, 40, 40, 50, zéro, hein, comme France il a dit. Je sais pas si France il a le courage d'attendre, mais ça arrive bien, Rémi, là, oui. Ok, mais de mon côté, si j'ai bien vu, c'est du 55-57. 55-57, ouais, si j'ai bien vu, ça doit être autour de ça. J'ai entendu d'autres départements aussi briqués, dont un qui est sorti du lot, le 59. Ouais, ça passe aussi très fort, là, de mon côté. Hein. C'est hallucinant, la propagande comment elle est ce soir. Et le plus étonnant, c'est que j'ai commencé à entendre... ça commençait à gratter, là, ce matin, là, côté propagande, dès 5h30, hein. Il y a beaucoup de monde, je te salue, bonne fin de journée, à très bientôt, porte-toi bien. Merci, toi aussi, les bottes 73-51 retournées. Merci pour ce petit contact, pour ce QSO. Il y a eu le département 59 là qui était sorti un petit peu du lot en avant. Salut Rémi, à très bientôt, porte-toi bien, bonjour au Ok, merci, tout ça retourné. Oui, département 51, les bottes 73-51, voilà, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi en mobile, coincé dans les bouchons sur Bordeaux, très précisément à la hauteur de la sortie 26, pour ensuite attraper la direction de Libourne, dès que ça le voudra bien. Oui, ok, Rémi, pas de problème. Ouais, bah, ça bouge partout, hein, sur la route et sur les ondes. Voilà, bon, bah, je vais te laisser continuer le bon petit QSO, alors, on va complètement être tourné, c'est ce qu'on a à dire, hein, les vieux QSO tournants qui datent des années 80, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu comme ça.
Ok, merci. Ouais, non, mais il va falloir que je tronçonne. Hein. Il n'y a pas à chier côté vidéo. Il va falloir que je tronçonne. Je fais que ça relancer. Et la batterie tient toujours. Putain, je suis étonné. Département 51, il y a eu pas mal de surmodulation. Retour à vous, le département 51. Ok, 6-6-14, Golf-Golf, 688, département 51. Les environs de Vitry de François, mobile arrêté, QSL. Ok, bon, d'accord, n'importe quoi, c'est, je me mélange les crayons, je sais plus où j'en suis, quoi. Là, je suis en train, là, je suis... ouais, c'était bien à toi que je retournais le micro. Là, mais j'ai cru qu'avec, c'était une autre station qui était revenue, que j'ai vu tout à l'heure en fréquence, qui a quasiment la même modulation. J'ai cru que c'était lui qui était de retour. Ouais, là, ça passe aussi comme un boulet de canon, là, de mon côté. Hein. Là, comme quoi, hein, quand ça veut vraiment, c'est vraiment super. Hein. Oui, ok, bonsoir Rémi. Allez, sur ce, bye bye, bonne continuation, bonne rentrée. La prudence au volant, voilà, parce que bon, il y a tellement de monde que bon, faut faire gaffe, voilà, mais si ça bouchonne, ça doit pas rouler trop vite. Allez, bye bye Rémi, merci pour le petit coucou, bonne rentrée, et puis au plaisir de se retrouver dans les bouchons avec une aussi bonne radio. Allez, bye bye. Ok, merci, enregistrer des breaks. Ben pour la radio, c'est le micro d'origine du CRT 7009. Comme quoi, avec ce poste, il n'y a pas besoin de plus. Ok, merci, les modes 73 sont retournés, bye bye. Oui, en avant les stations. Ok, département 78, les bottes 73-51 à vous, de la part de 14 km 33-01, opérateur Rémi, actuellement en mobile sur les départements de la Gironde. Et pour être plus précis, je viens de sortir de la rocade de Bordeaux pour attraper la direction de Libourne. Eh bien écoute, ça c'est super bien, il y a une belle propagation aujourd'hui. Oui, putain, je sors déjà dès ce matin à 5h30, ça commençait à gratouiller. Puisque j'avais fait une petite vidéo comme ça à l'arrache, là, sur, avec mon téléphone que j'ai aussitôt mis là sur internet. Et là, je sors du pont, mais c'est la cacophonie, ça arrive de tous les côtés, c'est que du bonheur. Hein. Pourvu que, bah oui, ça va durer de toute façon, puisqu'on est dans le bon sens. Là, je viens de fermer les fenêtres de la voiture, tant pis si j'ai trop chaud. Puisque là, de toute façon, on est dans le bon sens. Là, on est au pied de carrément au tout début de la remontée de Propag. Alors, si c'est comme ça déjà, là, au tout début, qu'est-ce que ça va être pour 2020? Ok, merci pour le petit QSO. Oui, il y a une cacophonie, c'est hallucinant. Quoi. Les bottes se sont très retournées, profitent bien de la propague. Oui, je rejette à nouveau le micro au milieu, en avant les stations. Oui, la station de Châteaubriant, les bottes 73-51 à vous, voilà, de la part de 14 km 33-01, opérateur Lemi, Dundee 33 mobile, actuellement entre Bordeaux et Libourne. Ici Fabien, micro, radio Alpha 44, je suis à Montcuéran aux alentours de Châteaubriand, ça passe entre 57 et 59 semis, ça marche bien, j'espère que tout va bien. Bonjour, fréquence, à la manière pour 73, radio Alpha 44. Ok, voilà, j'ai regardé, j'ai rouvert la fenêtre parce que je suis en train de mourir. Ouais, j'ai pas loin de 40 là. Oh putain, oui, j'ai 39 là dans le push. Waouh. De mon côté, là, j'ai regardé vite fait. C'est une super radio de 5, hein, ça passe comme un boulet de canon. Le Santiago, si j'ai bien vu, il est autour de 4 ou 5 par là. Je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Quand je dis petite, ça veut dire une vidéo big back. Va falloir que je tronçonne, c'est sûr et certain. Et ça passe vraiment très fort, hein. Ainsi que les autres stations qu'il y a derrière. C'est, quand la propague est là, c'est vraiment... eh ben tout va, hein. Donc les conditions de trafic de mon côté, c'est un CRT 7009 avec le micro d'origine. L'antenne, c'est la
médecins de Saint-Mille ont mis en perçage là au centre du toit, plus la petite boîte de miroir qui va bien derrière, qui me permet d'être à égal avec les stations fixes. Voilà, je cherche pas plus, je fais pas du tout la course à la puissance, loin de là. C'est juste pour que pour être à égalité avec les stations fixes. Enregistré la télébrac. Ok Fabien, bon, ça a été le seul moment de, je dirais, de blanc là qu'il y a eu. Il y a une surmodulation de cacophonie. Du coup là je sais plus. Je sais plus. Hachi. Je sais plus à qui. Ouais, parce que là, Fabien, là, t'as été complètement la surmodulée, la sauf sur la fin. Hein. Du coup, j'ai pas eu Roger de tes conditions de trafic. Bon, c'est pas grave. Je devine que tu me les redonneras autrement. Bon, en tout cas, j'arrive pas à trouver mes mots tellement que ça arrive de tous les côtés là, au niveau propag. Voilà, enregistré là tous les 3 tonnes de break. Ah ben c'est pas un problème, plus il y en a, plus j'en prends, plus j'en prends, plus j'en bafouille, plus je sais plus quoi dire, plus... Non c'est bon, j'ai pas encore, les fusibles n'ont pas encore sauté de mon côté, je prends, d'autant plus que là j'ai une vidéo là qui tourne derrière, ça va être quelque chose d'hallucinant quand les stations vont voir la propag, le monde qu'il y a sur la CB, sur les ondes. C'est justement, c'est que du bonheur, c'est ce qu'il nous faut pour motiver les nouveaux et même les anciens à revenir en fréquence. Quand ils vont voir le monde qu'il y a, alors que d'autres stations, d'autres personnes, on va plutôt dire ça comme ça, s'amusent à dire qu'il n'y a plus personne à la CB, là on a la preuve, on tient la preuve que si, il y a énormément de monde, énormément de monde. Alors justement, la Bretagne était sortie du lot. Voilà, là pour le coup, là, ah tiens, j'ai quelqu'un là en voiture là, qui est en cabriolet derrière, il vient de mettre sa casquette, il a la capote ouverte en plein soleil, en train de cramer en plein soleil. Du coup, il a foutu sa casquette à la tête car il a trop chaud. Hachi, justement, tiens, la Bretagne, ça tombe bien. Sur le groupe Facebook là, du forum La Planète CB francophone, il y a quelques stations justement là qui n'ont personne de leur côté là en Bretagne. Alors je sais pas, est-ce que c'est du côté des 40 canaux qu'il n'y a personne? Peut-être, je sais pas. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que ce sera vraiment, vraiment cool, cool de votre part là sur la Bretagne, de faire un petit coucou là du côté des 40 canaux pour montrer aux stations là qui reviennent, ceci, cela, là, que si vous êtes toujours là en fréquence, seulement la propague est là, donc il est logique qu'on profite de la propague. Mais entre deux coups de propag, un petit coucou de ce côté-là, ça serait vraiment sympa, quoi. Normandie, et c'est vrai que chez nous, là, sur la Normandie, c'est pareil, hein, sur les bandes des 40 canaux, malheureusement, il n'y a plus personne, et sur la Bretagne, c'est exactement
40 canaux déjà là, sur la bombe du 27 155 en Normandie. On est très peu, en Bretagne c'est pareil, et malheureusement, c'est bête à dire, mais il n'y a personne de solidaire là aussi. Eh bien justement, c'est là il faut prendre les choses en main et les motiver. Parce que bon, j'imagine que tout comme ça se passe sur la Gironde et sur les autres départements, les QSO locaux, vous les faites sur les supérieurs, quand la propague n'est pas là. Et c'est là qu'il sera intéressant justement de c'est là où il serait intéressant de redescendre du côté des 40 canaux. Eh bien tiens, toi là, pas plus tard que ce matin, j'étais avec Daniel, 14 km 3306, Centaure. Voilà, notre QSO locale, on l'a fait sur les 40 canaux. Voilà, et puis ça, il y avait du monde en plus, ça, derrière, ça moustachait, ça surmodulait. Et ça incite justement, ça montre au nouveau qu'on y est quand même. C'est juste que dans les moments où la propague n'est pas là, ça serait vraiment, vraiment super cool, super intéressant pour les nouveaux qui arrivent, là, de se montrer de ce côté-là. Car il est vrai que les nouveaux ou les anciens qui reviennent, plus les nouveaux qui viennent en fréquence, ils ne vont pas directement vers du gros matériel, et encore moins vers des décamétrés, des trucs comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des petits postes, et ils écoutent, ils n'entendent personne, ils revendent. Et du coup, eh bien, on se retrouve à voir sur le bon coin tout ça, des postes tout neufs, achetés 15 jours, un mois, trois mois avant, déjà en vente, parce que quand ils ont branché les postes, ils n'ont entendu personne. Et c'est vrai que c'est ça qui est dommage. Donc c'est vrai qu'il serait vraiment intéressant, cool de la part de toutes les stations, pour les QSO locaux, hein, juste les QSO locaux, les faire dans la partie des 40 canaux. Hein. Enregistrer les 3 tonnes de break. Oui, pour 14, Papa Alpha Tango, 337, le Nord France, département 62, okay. Dundee, pour le Nord France qui appelle. Ok, le département 62, les autres sont 351 à vous, et la part de 14-35-33-01, ce matin réuni, qui commence à avoir très soif. À Chine, on a en mobile actuellement sur la route de Salibourg. Ça avance, je suis sorti des bouchons de Bordeaux. On retourne de micro. Ah ok Dundee, super content de te copier, c'est Seb, 14 Papa Alpha Tango, 337, département 62, retour Dundee. Attends, je sais pas trop, je sais plus quoi. Ok, moi j'ai 800% QSL de ton côté, il n'y a pas de problème.
jamais très surpris, X. Hein. Y'a pas de souci. Bah écoute, les 73 de Seb, 14 Papa le Fat en route, 337. Bonne route à toi et merci d'avoir répondu, mon ami. Ok, pas de problème. Au contraire, les vidéos, tout ça, c'est vraiment des bienvenus. C'est notre meilleure carte, notre meilleure arme, là, pour promouvoir, redynamiser la Sibi, montrer aux gens nouveaux, ceci, cela, que comment ça fonctionne, qu'on est bien là, que les réseaux sociaux internet, c'est une chose, les ondes, c'est carrément magique, hein, c'est carrément autre chose, parce que là, t'as de vraies voix, t'as des sensations, t'as tout, ça arrive de partout, c'est l'improvisation totale, c'est ça qui est bien justement, on est dans un monde où tout doit être millimétré, trop millimétré, sans aucune improvisation, rien, et ça, la totale improvisation, c'est que du bonheur, ça, c'est génial, je ne sais plus quoi dire, achetez votre mort. Ouais, ok pour ça Rémi, hein. Voilà. Est-ce que t'as bien pris mon indicatif? Ah, parasite. Ah putain, j'ai un parasite là qui est en train de passer là, je sais pas là sur le secteur, je sais pas ce que c'est. Là pour le coup j'ai pas eu Roger, mis à part l'Italie qui m'est arrivé comme un bleu de canon. Ok, ton indicatif, je l'ai eu tout à l'heure, hein, donc c'est dans la boîte, y'a pas de problème. Voilà, là je suis en train de passer sur le pont de la rocade de Libourne. Voilà, je l'ai eu tout à l'heure ton indicatif, 14 PAT, c'est dans la boîte que tu te passes, c'est enregistré. Le 73, 14, Kilomac, 33-01, opérateur Rémi, voilà, en mobile, actuellement sur Libourne. Merci, vite que je rouvre les fenêtres, vite que ça ventile, parce qu'en là, ça coule. Achille, ok, merci, je vous lance le micro à nouveau au milieu, au premier qui l'attrape, ou qui passe le plus fort, merci, les bonnes 73 à tous. Oui, alors la station qui m'a souhaité bonjour avec une voix grave, les modes sont très secotonnés, les modes sont très 51 retournés de ma part. J'ai entendu, j'ai le nord-ouest France qui s'égosille. Ok, pas de problème, retour de micro avec les modes 73. Ok, il y a un parasite là qui m'arrive par moment. La station, du coup j'ai perdu le nord de France, le nord-est, le nord-ouest France. Moi je t'ai entendu la station du nord-ouest France, il n'y a pas de problème, je suis en train de faire une vidéo actuellement, donc c'est dedans. Je sais pas quand j'aurai le temps de travailler ça, j'imagine après-demain, il y a de grandes chances. Parce qu'alors là je coule là, sous le montage vidéo que je vais avoir à faire là. J'ai entendu, il y a la station Belgique ou frontière Belgique, je sais plus, là qui m'arrivait très fort. Avec les 73-51 de 14 km 33-01, opérateur Rémi, QRZ local sur le sud-ouest de France, d'un 10-33 qui te retourne le micro. Ouais, 100% QSL, tu arrives comme un malgré la surmodulation qu'il y a, tu arrives comme un boulet de canon là de mon côté là dans le mobile. Et là je suis actuellement là sur la route, là je sors de Libourne pour aller en direction de Saint-Émilion. Voilà, je vais dire ça comme ça, au moins là tu visualiseras mieux là de, où je suis. Voilà, donc les conditions de trafic de mon côté, c'est le CRT 7009 avec le micro d'origine. L'antenne c'est une Wilson 5000. Plus ma petite boîte de mirror HI3CO qui me permet de donner la main entre là qui est branché au milieu, qui me permet d'être à égal des stations fixes, je veux surtout pas plus. Enregistrez les breaks. Même deux seuls, et nous sommes à 37 cm au
100% QSL, enregistrer des breaks. Ok, bravo pour l'antenne, hein, fonctionne bien. C'est vrai que là, elle passe comme un boulet de canon l'antenne. Hein. C'est vraiment super propre de mon côté. Le micro américain, il marche vraiment bien. Il a lui aussi, je dirais, une voix cristalline. Putain, on dirait que j'ai appris un nouveau mot là en disant ça là, depuis tout à l'heure. Hachi, je dis ça parce que c'est pareil, le OQLA, là, j'ai récupéré là, récemment là, un micro. Je ne sais plus sa référence, mais c'est pareil, il a aussi une modulation cristalline. Il ressemble, c'est un micro à main, mais qui ressemble à ces micros de studio chromés. Sauf que celui-là, il n'est pas chromé, il est gris. Et avec la bande verticale noire au milieu et les strières sur les côtés. Hein. Très joli micro avec une super modulation. J'ai fait des essais là justement là ces jours-ci là avec l'aide du WebSDR de Bordeaux. J'ai écouté le micro d'origine, ok, pur, très propre, voilà. Je branche l'autre, hein. Ah putain, c'est plus pareil. Il hein. Ah, n'y a pas photo. Hein. Celui-là que j'ai branché à la place, il est quand même meilleur. Hein. Et vu que j'ai une voix qui est assez grave, ça me permet justement de faire un petit peu la balance à ce niveau-là. Et d'avoir une meilleure radio. Quoi. Retour à la Belgique. Enfin, la frontière franco-belge. Gérard. Enregistrer la région parisienne. Ouais, faut dire aussi que heureusement que Monique Reckel est pas actuellement là à côté de moi dans le bush, parce que en réalité j'ai pas besoin de micro préampli dans le bush tellement que j'ai une grande gueule quand je suis au micro. Ah chi. Ouais, c'est j'ai le défaut de gueuler dans le micro. Ça sert à rien. Je peux très bien parler normalement. Alors quand j'ai des Grecques à côté de moi, je la rends sourde à chaque voyage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le soir, le vendredi soir ou samedi soir, quand je suis en repos, que je fais que j'arrive sur le QSO là, du canal 27, la section sud-ouest, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois pour la fuite. C'est systématique. Je la vois se barrer dans le bureau et puis regarder la télé sur l'ordinateur là pour le coup. Ah, chier trois coups. Alors donc pour la radio forte, je suis pas étonné du tout. Donc j'ai tout intérêt au niveau du mobile à rester sur le micro d'origine, hein, bien entendu. Quoi. Putain, la vache, j'ai passé comme un boule canon. Ok, la frontière franco-belge. Les bons 73-51, tu as le nord-ouest France. Le secteur de Saint-Malo, là, qui m'arrive comme un boule de canon, là, de mon côté, comme trois tentes de briques, disent des Québécois. Et justement, qui t'appelle? Attends, le temps que la station derrière fasse un petit QSY, car c'est vrai que là ça doit bien faire une heure et demie, pas loin d'une heure et demie que je suis en QSO là sur cette fréquence. HI 3 coups. 15, Charlie Québec, 73, 51 ici 14, bravo Charlie Alpha Romeo. Le nord-ouest de France, le Rotterdam. Voilà les amitiés de l'opération qui sont sur la division 15, Charlie Québec, comment? Bon, la station de Saint-Malo, là j'entends plus là la Belgique là, de mon côté. Hein. Là, tu vois, ça fait ouais, ça doit faire pas loin d'une heure et demie là que je suis en QSO sur, là sur cette fréquence. Là, ça passe plus de mon côté la Belgique. Oui, pour le moment, bonjour.
Bon, ok, alors les stations, les breaks là, pour 14 km 33 01 opérateur Rémi, là qu'on a c'est là qui s'impatiente là, derrière la porte depuis tout à l'heure. Je relance là une fois de plus le micro milieu, peut-être pour le dernier coup, pour le dernier passage, car là je suis pas loin du QRA. Allez, je rejette le micro milieu à celui-là qui sera le plus rapide pour l'attraper, à H3 coup. Ok Christophe, les bottes 73-51, voilà de 14 km 33-01 opérateur Rémi. Actuellement le sud-ouest sur la Gironde à la hauteur de Saint-Émilion. Voilà, pas loin de Saint-Émilion. J'ai entendu le 33, oui, voilà, Hachi 3 coups, là, il y a une petite confusion, j'ai l'impression, dans le QSO. Hachi, les bottes 73-51 à la station, là, qui vient d'arriver, là, sur le QSO, de la part de 14 km 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33, actuellement en mobile, sur le sud-ouest de France, à la hauteur de Saint-Émilion. T'arrives très bien, je me situe entre Rennes et Saint-Malo, 50 places là. Voilà, bah, il va 73 à toi là et au plaisir qu'il a. Ok, la station, les bottes 73, 51 retourné. Ok, je pense que j'ai pas tout compris, t'as repris le micro un peu vite. Du coup, j'ai dû louper le début. Bon, c'est pas grave, il y a une autre station qui a breaké également en avant. Y'a pas de soucis la station, là tu déranges pas. Hein. C'est vrai que là c'est la cacophonie ici, là c'est vrai que ça fait quasiment une heure et demie là, que je suis sur le QSO. Ah, je suis trois coups. Ok, Christophe, retour à toi, là je t'ai entendu là vite fait là entre deux coups. Hein. 059, oui, département 59, les bottes 73-51, t'as part de 14 km 33-01, opérateur Rémi. Dandy 33 actuellement en mobile sur le sud-ouest de France à la hauteur de Saint-Émilion, qui commence à avoir très soif depuis. J'ai attrapé le micro à 17h. Voilà, par là, ça fait une heure et demie là, que je suis en QSO là ici. Quoi. Il me tarde d'arriver au QRA, je suis plus très loin, je dois être à quoi? Peut-être à 5 km du QRA. Ok, pour 14 Kilo Mike 01, l'opérateur je ne sais pas. Ici c'est 14 Mike Juliette Charlie 059 Jean-Claude, le nom de France, la frontière franco-belge, les environs de la ville de Maubeuge. Retour sur vous. Ok, les bottes 73-51 à vous. Voilà, retourné de la part de 14 Kilo Mike 33-01. Opérateur Rémi, voilà, actuellement en mobile sur le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Ok, donc c'est bien Rémi, nous avons un chauffeur de route, enfin, OK 73-51, les meilleures amitiés. Hein. Donc ici, nord de France, la frontière franco-belge, où il fait très chaud cet après-midi, 30-33 degrés. Ici, ça baisse un petit peu, on est encore à 25, avec des risques d'orage ce soir. Donc, vous passez fort ici sur le nord de France, hein, c'est du 58. Hein. Donc, il y a beaucoup de propagation. Je vous tourne le micro. Ok, merci pour le retour du micro. Voilà, de mon côté, ouais, c'est bien. Enfin, la radio, ouais, c'est une radio 5. J'aurais même envie de dire 6 sur 5. H3 coup, si c'était possible de le faire. Voilà, ça arrive vraiment comme un boulet de canon, comme 3 tonnes de briques, comme disent les Québécois. C'est vraiment très fort de mon côté. Une radio vraiment très, très percutante, très propre. Hein. Voilà, alors de mon côté, les conditions de trafic, c'est un CRT 7009 avec le micro d'origine. Côté aérien, c'est la Wilson 5000 qui est au centre du toit là, du push. Plus ce que j'appelle la petite boîte de mirror de brancher entre, là qui est juste un petit peu mis de façon à être à égal avec les stations fixes. Ok, bien
noter pour les conditions d'amusement, bah ici, bon, ici, bien sûr, c'est pas de l'équipement mobile. Ici, c'est du fixe, donc le transceiver, c'est un Yaizu, c'est un ST1000MP Mark 5, avec actuellement 200 watts en sortie, donc une antenne de 4 éléments horizontales dirigée vers vous, et puis le micro, c'est un Yaizu MT100. Voilà les conditions d'amusement de l'OM ici, sur le Nord de France. Rémi, j'entends le micro. Ok, merci pour le retour de micro. Alors si j'ai bien vu, c'est un Syntego de 6-7. Je dis si j'ai bien vu parce que j'ai pas mes lunettes là sur le nez. Les lunettes pour voir de près quand on conduit, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin bon bref, hey, salut, désolé, je vais te dire bonjour à quelqu'un qui vient de me croiser là. Du coup j'ai pas dû le fil. Ouais ben voilà, je te donnais les conditions de trafic. Je sais pas si tu me connais sur internet, Dandy 33, peut-être que ça te parle. La planète Sibi francophone, peut-être que ça te parle aussi, je sais pas, retour de micro. Ah si, Amateur, pas professionnel, hein, de poste de Sibi, nous avons une source incroyable de renseignements sur ton site Dundee, donc je pense que je me trompe pas. Affirmatif, c'est bien ça, c'est bien moi. Voilà, le Dundee 33 avec mon forum, la planète Sibi francophone. Voilà, c'est bien ça, ben, je fais du mieux que je peux, hein. Je fais du mieux que je peux pour promouvoir, redynamiser la Sibi. Je suis aussi là sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, bon bah YouTube, MeWe, le réseau Facebook russe, là c'est VK je crois, plus les différents blogs. Je pense que j'en oublie au passage. Ouais, plus ma présence sur les différents forums routiers, auto et autres. Oui, affirmatif, c'est bien l'OM. Oui, ben donc, j'ai même le site dans la tête, je le vois. Hein. Ah ouais, non, mais souvent on veut consulter parce que souvent, je bricole un peu dans l'électronique. Moi, j'ai un ami là, qui est un technicien, mais qui fait ça par plaisir, il restaurait des vieux postes, hein, des vieux postes civils qui ne fonctionnent plus, qui sont en panne. Et parfois on a besoin de chez moi, puis en général on arrive facilement à les trouver sur ton site. Hein. Donc il est fort consulté par nous. Hein. Et de toute façon, félicitations pour le travail accompli, hein, parce que là il y a du boulot quand même, il y a de la recherche surtout. Hein. Voilà, voilà, juste en vrai que tu peux me donner un petit peu le nom de la commune dans laquelle tu te trouves ou à proximité de quelle ville actuellement tu es en train d'émettre. Alors putain la vache, la moustache qu'il y a derrière. Alors là, je viens d'arriver très précisément, très présentement à Sainte-Colombe. Voilà, c'est Sainte-Colombe. Là je suis rendu là au QR, hein. Là je suis garé là directement là chez moi. Alors c'est à 12 km à l'est de Saint-Émilion et 5 km au nord-ouest de Castillon-la-Bataille. Voilà, si tu veux mettre un point précis là sur une carte. Voilà, Sainte-Colombe, donc à l'est de 12 km à l'est de Saint-Émilion. Ok, d'accord, bien noté. Maintenant, comme ça, je vais te rentrer dans mon log. D'ailleurs, je mettrai la précision de Dundee 33. Comme ça, je saurai. Hein, parce que non, mais souvent, on parle de ton site avec mon ami. Là, parce que souvent, on va fouiner, on cherche et on ne sait pas toujours facile de trouver. Hein, et notamment tous les schémas. Hein. Tous les schémas ne sont pas toujours faciles et même pas toujours très lisibles. Mais enfin bon, on prend ce qu'on a. Hein. Voilà, voilà, mais c'est très sympa d'ailleurs d'activer ce site-là. Hein. Mais je pense que ça représente beaucoup de boulot. Voilà, Rémi, donc bien content d'avoir croisé ton chemin sur l'air. Hein. Je retourne le micro. Ok, merci pour le retour de micro, d'autant plus que là, je suis toujours là en train de faire une vidéo. Je l'ai démarré à 17h. Tu vois l'heure, au secours. C'est... J'arrive pas... Il y en a qui font des vidéos de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je sais pas comment ils font.
Je leur tire mon chapeau. Ah, j'ai trois coups. Justement, tiens, à propos du forum, dernièrement, là, j'ai mis des plans d'antenne. Quand je suis monté là sur l'Alsace là, pour l'Assemblée Générale de l'ERCI, j'ai discuté avec un OM, un radio amateur, qui m'a gravé un DVD avec 5 gigas de bidouilles et tout, d'antennes et tout ça. Tout ça s'est mis gracieusement là sur le forum. Et oui, il y a énormément de boulot derrière. Hein. Ça, je compte pas mon temps. C'est au grand désespoir de ma femme qui aimerait bien que je compte un peu plus mon temps d'ailleurs. Hachi, là c'est... disons que mon problème, c'est que je ne sais pas faire les choses à demi-mesure. À 100% non plus. C'est chez moi, il faut que ce soit fait à 200%. Mais je suis pareil dans tout. Hein. Quand je suis au boulot, c'est pareil aussi. Hein. Je me vois pas faire les choses à moitié dans mon pro. Donc, je veux dire par là que personnellement, je n'en tire aucune fierté, on va dire, puisque chez moi, c'est tout naturel de faire les choses comme ça, quoi. Je me vois pas faire moins. C'est faire moins, c'est j'aurais l'impression de laisser tomber, quoi. C'est j'aurais l'impression d'un seul coup de tout arrêter si je faisais moins, quoi. Ok, voilà, là, il faut vraiment que je passe en QRT, j'ai hâte d'aller sous la douche. Et puis là, bon, il est déjà là, 7h-20, 7h-15. Il me tarde d'aller sous la douche, plus après, j'ai 3 tonnes de choses à faire, puisque j'ai pas pu faire quoi que ce soit là aujourd'hui, justement, là, du côté Internet. Et demain, ça va être pareil aussi. Hein. Donc là, je m'attends à pas pouvoir mettre les vidéos en ligne avant facile après-demain, oui. Puisque demain, là, je vais être sur un site sur Saint-Émilion, où là, c'est pareil, je pourrais rien faire non plus. Hein. Donc il y a de grandes chances que ça soit que après-demain que je puisse m'occuper de ça, quoi, et mettre ça en ligne. Ok, les modes sont 1351, merci pour ce QSO. Les stations qui sont derrière, que j'ai pas pu prendre dans le QSO, là, durant les 1h30, là, que je suis en fréquence, c'est vraiment désolé. Il y a eu 3 tonnes de break, 3 tonnes d'appels de tous les côtés, l'Italie et tout ça. Il m'a semblé, je sais plus, il y a d'autres pays, je sais plus si c'est l'Espagne ou le Portugal qui sont passés aussi. Les bonnes 73-51 tous, voilà, de la part de 14 km 33-01, opérateur Rémi. Voilà, Dandy 33 en mobile actuellement sur le sud-ouest de France, sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Et je relâche le micro pour le final, mais je ne le reprendrai pas. Juste histoire de pouvoir finaliser là sur la vidéo, sur tous les retours là qu'il va y avoir en fréquence, histoire de faire un petit feu d'artifice, on va dire, là sur le final. Merci beaucoup à tous. Je relâche le micro, je ne reprends pas. Merci, bye bye. Merci encore pour le QSO, merci pour le travail fourni sur le site là, parce que nous ça nous sert pas mal, hein, donc voilà, malheureusement on n'est pas à côté pour t'en remercier, mais j'en profite puisque je t'ai sur l'air pour le faire. Hein. Voilà, 73, au plaisir de croiser les aériens bien sûr, dans d'aussi bonnes conditions, là c'était du 59+10, hein. Donc ça marche fort, et puis je vais te laisser aller prendre la douche. Moi d'ailleurs, je passe une gastro, hein, je vais me préparer le gastro. Moi je suis en roue libre, hein, donc depuis déjà de nombreuses années, donc je suis un vétéran, je suis un vieux, hachi. Allez, bonne fin de journée, et merci encore pour le contact, très sympa et très